fait disparaître? Mon chapeau! Bon, mon chapeau. Mon chapeau. Tiens! Une carapace de tortue limaçon! Limaçon n'a pas de carapace! Mais qu'est-ce qu'il a alors? Je ne sais pas, une coquille! C'est la même chose! Ah, c'est une grenade! Une grenade! Écrase la mèche! Mais ça n'a plus de mèche! Ça n'explose pas! Attention, tu vas te tuer! Un prudent imbécile! On peut tout de même pas laisser ça là au milieu de la chambre! Où ils en sont, ils ne s'en apercevront pas. En tout cas, nous sommes une fois de plus hors de danger pour le moment. Et maintenant, on ne peut plus empêcher les courants d'air. Tu vois bien qu'il ne suffit pas de fermer les volets. Il faut mettre le matelas. Mettons le matelas. Tu aurais dû y penser plus tôt. Plus de matelas pour coucher ce soir. C'est ta faute. Même pas deux matelas dans la maison. Mon mari, que tu m'as fait quitter, en avait beaucoup, lui, des matelas. C'est pas ça qui manquait dans la maison. Il était matelassier. C'était les matelas des autres. C'était pas malin. Bah, tu vois bien que c'était malin dans de pareilles circonstances. Dans d'autres circonstances, ce ne l'était pas. Ça devait être drôle, votre maison, avec des matelas partout. C'était pas un matelassier ordinaire. Il était matelassier amateur. Il faisait ça pour l'amour de l'art. Et pour l'amour de moi. Hein? Qu'est-ce que tu fais, toi, pour l'amour de moi? Pour l'amour de toi? Je m'embête. C'est pas grand-chose. Oh, si. En tout cas, ça te fatigue pas. Paresseux! Ah! Ah! Ah!